Bonjour à tous, nous sommes le 29 mai. En ce jour, nous fêtons avec l'Église universelle l'un des papes modernes canonisés depuis Saint Paul VI. On dit que Paul VI est le pape du Concile Vatican II, ce qui est vrai puisqu'il a conduit ce concile après l'ouverture par Saint Jean XXIII, son prédécesseur. Mais on peut aussi dire que le pape Paul VI a été le pape aussi de la dévotion mariale, puisqu'il a demandé qu'on puisse décerner à Marie le titre de reine et mère de l'Église, confiant à la Vierge Marie son pontificat et l'Église qu'il sentait totalement chavirée après le Concile par des courants extrêmes qui tendaient à détruire finalement l'œuvre du Concile. Et Saint Paul VI priait souvent la Sainte Mère de Dieu pour lui demander l'unité dans l'Église et la paix dans le monde. D'ailleurs, il faut remarquer que les papes Jean-Paul II, Benoît XVI et François feront de même, ils consacreront l'Église à la Vierge Marie, sentant que l'Église et le monde sont en grand danger. Voilà la prière que Saint Paul VI a demandé que les évêques puissent prier avec lui aussi. En ce 29 mai, nous pouvons faire cette prière de tout notre cœur. Ainsi donc, vénérables frères, nous invoquerons la Sainte Vierge Marie en ce mois qui lui est consacré et nous implorerons avec un regard de ferveur et de confiance ses grâces et ses dons. Et si les fautes si lourdes des hommes qui pèsent dans la balance de la justice divine et provoquent de justes châtiments, nous savons aussi ainsi que le Seigneur, dans sa grande bonté, est le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, et qu'il a fait de Notre-Dame la généreuse dispensatrice des richesses de sa miséricorde. Elle a connu les peines et les tribulations de la terre, le poids du labeur quotidien, la gêne et les inconvénients de la pauvreté, les douleurs du calvaire. Qu'elle vienne au secours de l'Église et de l'humanité, qu'elle écoute avec bonté les invocations qui de partout lui demandent la paix, qu'elle éclaire ceux qui dirigent la marche des peuples. Et qu'elle obtienne du Seigneur, maître des vents et des tempêtes, qu'il apaise les tempêtes qui ou s'opposent les cœurs des hommes et qu'il accorde la paix à notre temps. La paix véritable, celle dont les fondements fermes et durables sont la justice et l'amour. Justice rendue aux plus faibles autant qu'aux plus forts. Amour qui bannisse les errements causés par l'égoïsme, de manière que la sauvegarde des droits de chacun ne dégénère pas en oubli ou en négation des droits d'autrui. Je crois qu'on ne peut rien enlever à cette prière si d'actualité au moment où à la fois la guerre se généralise et tend à vouloir emporter le monde entier, et de l'autre côté où ce libéralisme absolu où, avec toutes ces lois qui sont ou ces reconnaissances qui finissent par détruire les autres. Je vous rappelle cette dernière phrase, de manière que la sauvegarde des droits de chacun ne dégénère pas en oubli ou négation des droits d'autrui. Prions. Et prions et confions notre mois de Marie, la fin du mois de Marie, prions la Vierge Marie et avec Saint Paul VI, consacrons-nous et consacrons nos familles et le monde à la Vierge Marie. Sainte Vierge Marie, priez pour nous, protégez-nous, guidez-nous vers Jésus. Amen.